Salut la gang! Dans cette vidéo, je vais vous montrer un exercice que vous pouvez pratiquer sur un reflex bag. Pour ma part, j'utilise le ballon de frappe Outshock, mais vous devriez être en mesure d'effectuer cet exercice sur n'importe quel reflex bag. Pour cet exercice, nous n'utilisons que la main avant. Premièrement, avec votre jab, vous allez timer le ballon, de la même façon que l'on essaie de timer son adversaire dans un combat de boxe. Considérez que la vitesse de votre reflex bag peut être différente du mien, donc la première chose à faire est d'apprendre à timer votre jab sur votre reflex bag. De cette façon, vous pouvez avoir une bonne idée du swing et de la vitesse de votre reflex bag. Lorsque vous êtes prêt, enchaînez avec un crochet court et rapide de la gauche lorsque le ballon revient vers vous. Cet exercice simule un adversaire qui a ouvert sa défense après avoir été touché par votre jab, et vous voulez riposter rapidement avec un crochet de la gauche. Ou encore, cela pourrait être utilisé si votre adversaire a esquivé votre jab et revient en contre-attaque vers vous. Dans ce cas, vous voulez immédiatement déstabiliser votre adversaire avec votre crochet. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, appuyez sur le bouton « J'aime » et considérez vous abonner si vous ne voulez pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci.